vaut qu'un des plus qui est proposé aux parieurs ce samedi sur la cendrée parisienne avec ce prix Octave Douénel, réservé aux 4 ans, un groupe 2 qui va se tenir sur les 2700 mètres de la grande piste. Joshua Trill, 17, devrait montrer son meilleur visage après une rentrée discrète. Annoncé comme un prétendant aux plus belles joutes de l'hiver, Joshua Trill, 17, a tracé un parcours propre pour son retour à la compétition dans le prix de Chenonceau, mais il avait besoin de cette course. Avant ses petits problèmes de santé, il a démontré qu'il était le leader de sa génération et reprendre sa marche en avant et filer ensuite vers les groupes un temps il fait étalage de sa classe. C'est un champion. Lauréat du Critérium des 4 ans le 17 septembre, Josh Power, le 16, a livré un bon retour à la compétition dernièrement dans le prix de Chenonceau et devrait encore une fois jouer un premier rôle. Justin Bold, le 12, est un trotteur dur qui a pris une excellente 4e place dans le Critérium des 4 ans avant de bien se comporter au Croisé-la-Roche. Il n'a sans doute pas encore tout montré et peut monter sur le podium à l'issue d'un bon déroulement de course. Attention à lui. Dimitri Ferme, le 18, est un champion qui a notamment remporté le derby italien l'année dernière. Ses premiers pas sur notre sol seront suivis avec un certain intérêt. Don Diaz, le 5, est le second atout de l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Ce cheval venu d'Italie n'a pas tardé à prouver qu'il pouvait bien faire sur notre sol. Il reste d'ailleurs sur une très belle victoire décrochée sur les 2850 mètres de la grande piste dans une bonne réduction. J'aime le foot, le 15, n'a pas démérité dans le Critérium des 4 ans et sera cette fois présenté déféré des 4 pieds. Ce cheval au gros moteur peut causer une belle surprise s'il parvient à bénéficier d'un bon déroulement de course. Méfiance. Jack Strick, le 14, est désormais vraiment confirmé parmi les meilleurs chevaux de sa génération. Il est en forme comme l'indique sa dernière victoire décrochée avec la manière sur l'hippodrome de Laval et peut pimenter les rapports si tout se passe bien. Kaolil, 10, est un Scandinave dont il faut se méfier. Présenté par le toujours redoutable Thomas Mangevist, il n'a pas démérité le 5 août dernier sur l'hippodrome d'Anguien et bénéficie d'une certaine estime de la part de son entourage. Il ne faut sans doute pas l'écarter dans une combinaison élargie. Maintenant place au pronostic de vos youtubeurs préférés. L'originalité de Tom est de placer Di Lucamo, avec l'aide de Franck Nivard au sulky dans sa sélection en 3e position. Dans la sélection de Benoît Requin qui est plus que classique, on notera quand même la présence du numéro 13 qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Pour Alain c'est un peu comme tout le monde, Joshua Tri est une base mais son coup de cœur est Justin Bold le numéro 12. Fist nous a trouvé dans sa sélection le numéro 2, Dylan Dog fonde sûrement un très bon outsider. Harpy numéro 3, un outsider valable selon ce que l'on voit dans la sélection de Max, pourquoi pas l'inclure dans une combinaison élargie. 2 Zach numéro 11, semble capable d'intégrer la bonne combinaison selon l'analyse et la sélection du flambeau. Dolce Vicky le numéro 6 sera la trouvaille de notre ami Yann, qui sera sans aucun doute un énorme outsider au betting. Madame Nelly suit son journal, elle nous a pas trouvé de chevaux qui sortent de l'ordinaire, sa sélection est un peu la sélection de tout le monde. Caro ne nous a pas trouvé de pépite, sa sélection est basique, elle inclut principalement tous les favoris. Xavier est plus audacieux en plaçant très haut le numéro 13, il le met même en 3e position de sa sélection.